Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo qui est encore un échec et mat. Bon, c'est pas la vidéo de l'année, mais c'est une petite vidéo qui va se rajouter à la pile d'échecs et mat qui traîne sur la chaîne. Donc voilà, je vais pas trop développer. Ça va être assez court. Je vous mets juste la vidéo qui est assez intéressante et intrigante. Et ensuite, on passe à l'échec et mat. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. Donc c'est très simple, hein. C'est un monsieur qui essaie de s'évader. Donc, on va regarder ça avec une tête de néo-nazi là. C'est le jeune Grazer qui a 18 ans, qui par tous les moyens veut s'échapper. Bon, si ce n'est que ça, la vidéo elle servira à rien, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. It appears now that Grazer's calmed down. But moments later, il veut passer par le toit. Je sais pas comment il a fait pour passer entre ces deux barreaux là, Rikiki. Le mec, c'est un serpent. Officers consider opening the box to stop him, but Grazer's way ahead of them. One officer strikes him. The female officer runs over and presses a large button on the wall, calling for backup. Il a cassé le plafond. Ils l'ont carrément déshabillé. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. On commence par. On va dire la vidéo comique, parce que ce qu'il y a derrière est beaucoup plus dramatique. Il y a le taser. Grazer's finally had enough. Ah, il est reparti dans la cellule, et bah dis donc. Et bah dis donc. Et ce qui est intéressant dans tout ça, hein, c'est pas sa tête de néo-nazi en train de faire un doigt d'honneur. C'est pas ça, mais bon, je rigole, même si c'est pas très marrant, parce que c'est quand même encore un fou furieux de cette planète. C'est pour encore vous montrer qu'il y a bien des gens qui sont malades, hein, et bien sûr que le satanisme est bien réel. Vous savez pourquoi? Parce que ce petit jeune, Monsieur Grazer, de 18 ans, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Tribune du Net, publié le 17 juillet 2021, mais bon, c'est l'affaire à date de l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui, voilà, le meurtrier qui voulait s'échapper. Ce qui est important, c'est ici. Léonie de Grazer, 18 ans, accusé d'avoir tué sa sœur en 2019. La vidéo du jeune accusé qui assistait à son procès, qui a voulu hein, sortir par le box. Mais ce qui est important, c'est ici. Malgré les nombreux policiers qui entouraient le box, l'accusé est monté sur la table, il s'est agrippé, on s'en fiche. Des coups de matraque, des coups de taser. Le personnage ne prête pas du tout à rire. Le jeune homme prétend avoir reçu l'ordre de Satan de tuer sa sœur de 21 ans. Et voilà l'échec et mat. Parce que vous allez voir dans les autres articles, oui, ils disent il a tué sa sœur, basta. Hein, c'est un homme qui a tué sa sœur. Mais on ne sait pas pourquoi il a tué sa sœur. Bah maintenant on sait. Hein, il a reçu l'ordre de Satan. Donc bien sûr, c'est possession, maladie mentale ou tout ce que vous voulez. Mais c'est bien un rituel satanique. Hein, regardez. À côté du cadavre, il était en train de faire des dessins et des symboles sataniques sur le visage de sa sœur en utilisant le sang de la victime. Si ça, c'est pas assez clair pour prouver que c'est un rituel satanique et un sacrifice pour donner un corps, enfin, pour demander des choses à leurs démons, à leurs amis. Bon, démons, façon de parler. Enfin, leurs amis, façon de parler. Alors, je dirais plutôt à leurs conseillers, que Dieu leur a attitré. Voilà, bref. Donc, c'est juste ça, hein. C'est aussi court que ça, c'est aussi bête que ça. Il y a rien d'autre à développer. C'est juste un échec et mat, tout simplement. Hein, ce jeune homme de 18 ans,
Hein, je me demande d'ailleurs qui l'a formé pour pouvoir savoir qu'il faut tuer sa sœur pour faire des sacrifices. Hein, allez vous renseigner si ça vous intéresse pour savoir de quelle confrérie il sort, avec sa tête de néo-nazi du Ku Klux Klan mélangé au... comment on appelle ça? Les skinheads, là. Vraiment une tête de skinhead. Bref, comme quoi, hein, tout ça aussi, c'est pas du hasard. Et voilà, c'est surtout pour ça, parce que quand on regarde ce que les médias disent, oui, bon, tentative d'un jeune russe pour un meurtre qu'il a commis, etc. Mais on ne nous parle pas que ce jeune a fait un rituel satanique, que Satan lui a donné l'ordre de tuer sa sœur. C'est quand même très, très différent. Enfin, très différent. Bon, il ne le cache pas, à mon avis. Mais je pense que ça permet quand même de pouvoir aider un corps certain. Parce que là, c'est pas moi qui le dis. C'est pas le complotiste, mon voisin, qui le dit. C'est eux-mêmes dans leurs médias qui disent qu'il a fait un rituel satanique. Et c'est même eux qui parlent de l'ordre de Satan. C'est pas moi. On peut pas dire que c'est nous qui l'inventons, si c'est eux qui sortent ça normal comme argument. Hein, il a quand même 18 ans. C'est un jeune homme. Donc, en commentaire, on peut essayer de développer, de savoir comment cela peut se produire par rapport à sa vie, quoi. Hein, dans le genre, ça se trouve, il a été recruté, ou je ne sais pas, moi, il est tombé dans une secte ou autre. Hein. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. C'est sûr qu'on n'est pas satanique, on le devient. Hein. On n'est pas avec l'envie de tuer sa sœur. C'est forcément quelque chose que... un ordre que tu reçois, hein, l'ordre de Satan, d'ailleurs, pour être plus précis. Et bon, bah, si ça permet à certains de pouvoir mieux comprendre, c'est bien une réalité, se montrer dramatique, hein, surtout il a 18 ans quand même, hein. Donc bien sûr il est manipulable, il est tout ça, bien sûr, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, faut quand même savoir que c'est des choses qui se font pas forcément qu'en France ni en Afrique, hein, puisque là c'est en Russie. Et puis voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour faire un petit big up à tout le monde, un petit échec et mat en plus, et je vous souhaite une bonne journée, ciao ciao, à plus. De vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de l'âge qui s'entraident que entre chéries. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux cris. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cash et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satyres en enfer. Pour mal commis, on t'enferme. Pour un Loki, comment faire pour sortir cet enfer? Où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur ronde, et d'autres se prennent pour Jack Mesh. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Des régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois, mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions venues des tas de sang, les indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.